Salut tout le monde, c'est Corosodger. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warframe. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le jeu et qui seraient pas arrivés à mon niveau, vous demandez pourquoi j'ai ce personnage-là. Mais c'est parce que je suis en train de faire la quête The War Within. Donc, c'est la nouvelle quête qui est sortie il y a peu, environ une semaine ou deux. Et donc, j'avais pas la jonction pour le faire et je me suis dit, pourquoi pas la faire un jour. Et du coup, j'ai commencé la quête. Donc là, bon, je suis arrivé assez loin dans la quête par rapport. C'est pas le début de la quête. Donc, que je vous résume un peu le début pour ceux qui la connaissent pas. C'est. En gros, Tenshin, un maître du Conclave, donc un des syndicats de Warframe, doit amener un Tenno à la reine des Grenir pour faire je ne sais pas encore quoi. Je suis pas encore arrivé assez loin dans. Assez loin dans l'histoire, et du coup, il nous a amené avec notre Warframe là-bas. Notre Warframe s'est fait capturer dans la forteresse Kuva, donc la forteresse des reines. Notre Warframe s'est fait capturer, et du coup, maintenant Tenshin veut attaquer notre Tenno. Vu qu'on possédait plus la résonance, donc le pouvoir de communiquer avec les Warframes et de les contrôler, Ordi, donc le fabuleux ordinateur de notre vaisseau nous a dégagé dans la neige au-dessus là y a... enfin fa... un peu plus bas dans la montagne. On l'a monté, on était dans la grotte et Tenshin putain Tenshin nous a envoyé ici donc enfin nous a envoyé, il nous a forcé à se mettre ici. J'ai casser des piliers et rentrer dans un artefact Orokin, donc ce qu'on appelle les sculptures Ayatan, pour ceux qui connaissent un peu. Et donc là, dans la sculpture Ayatan, il y a un petit parcours avec une genre de bête qui va. Donc c'est parti, on va se lancer. Elle va où là? Tu vas par où? Par là, d'accord. Ah d'accord, il faut pas rentrer dans son espèce de truc d'os. Sinon elle se retourne. D'accord. C'est bon à savoir. Du coup, vu qu'il va par là. Mais. J'ai pas tout compris. Vas-y, on s'en fout de la cinématique là. Il va par où du coup? Il tourne à droite ou à gauche? Techniquement, je suis safe. Pourquoi il m'attaque alors? Je comprends pas trop le délire. Ah d'accord, en fait, dès que je marche sur l'os, il se speed de m'attaquer. D'accord. Ah, il y a des pierres, donc il faut qu'on aille sur les pierres le plus vite possible. D'accord. Ah, t'as le seum, hein? On va faire un truc vite fait. Option, parce que je tends pas les dialogues. Il doit avoir un petit problème. Le volume d'ordi, on peut le laisser comme ça, il est très bien. Enregistrer les paramètres. Allez hop, bon, elle est où la bête? Bon, on s'en fout, on rush. Ouais, elle est là-bas. Bon, ça va, elle a l'air de patrouiller toujours dans le même secteur, donc ça veut dire qu'elle ne se. Je retire ce que j'ai dit, elle se rapproche. Allez. C'était chaud. Elle se déplace vite, hein, une fois qu'elle est vénère. Bon.
Je vois pas d'autre solution, il faudra attendre qu'elle s'éloigne et rush là-bas, là. Là où je pointe avec mon petit laser qui ne fonctionne plus. On va attendre qu'elle s'éloigne et on y va. Allez, 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 allez. Voilà. Bon, on l'a passé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Ah. J'ai retrouvé un pouvoir, je sais pas trop en quoi il consiste. Ah d'accord, c'est eux l'explosion du génie du néant. D'accord. Ah, c'est pété comme pouvoir. Bon, je sais pas pourquoi mon Tenno a les cheveux noirs et ils reblanchissent. C'est peut-être, je sais pas. Ah, du coup, c'est mon pouvoir, c'est une explosion. Bon, c'est. Ça vaut pas le Kamehameha de Dragon Ball Z, mais bon. Alors, un nouveau pouvoir, peut-être? Ah, oui, absorption de nouveau pouvoir. Le pouvoir retourné. Élan du néant, donc contrôle space. Ah, c'est stylé, genre la téléportation. Ouh. Ah, c'est bien ça. J'aime bien. Oh non! Casse-toi, toi. Tu vas avoir affaire à mes super pouvoirs. Ah, d'accord, donc là, je pense qu'en fait. Il faut se téléporter de. Il y en a plusieurs. Ah, d'accord. De pierre en pierre. Donc. Cassez-vous là! Est-ce que je peux les tuer? Je pense pas. Mais bon, ça aurait été plutôt pas mal. Ah ouais, le gars il va jusque là-bas quoi. Je pense pas pouvoir y arriver en rushant, ça passe pas. Ah bah si ça passe, il suffit juste de bien se téléporter. Bon, je sais pas, mais chez moi il y a un bug de son. Je sais pas si ça fait pareil chez vous. J'essaierai de régler ça pour la prochaine vidéo. Genre, on arrêtera sûrement après la prochaine vraie cinématique, pas des apprentissages de pouvoir. Bon. Là, c'est d'où je viens. Est-ce qu'on peut courir sur les murs? Apparemment, non. Ah, d'accord, il suffisait juste de faire ça. Il me semblait que j'avais pas la distance pour le faire. Ah, nouveau passé raconté par les reines.
Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'espèce de marque qui brille, c'est quand j'étais en résonance avec mon Tenno, elle a percé mon armure, et vu que j'étais encore connecté à lui, j'ai une petite blessure sur le front. Donc c'est grâce à ça que les reines essayent d'altérer mes souvenirs pour que je haïsse ceux qui m'ont créé, que je renie le Lotus, etc. Enfin, à ce que j'ai compris, c'est ça. On va continuer. Ah, un nouveau pouvoir. Oh là 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 là, cette absorption de pouvoir tout à fait magnifique. Mode néant. Contrôle pour passer en mode néant. Ah, c'est un mode invisible. Oh, d'accord. Est-ce qu'il y a une durée pour le mode néant? C'est. Apparemment, oui. Il y a une durée, d'accord. J'aurais dû m'en douter, mais j'ai pas fait gaffe sur le coup. Alors du coup, je pense qu'il serait intelligent de d'aller sur cette grosse plaque de pierre là-bas, d'abord se téléporter et ensuite passer en mode néant. Ah ouais, à mon avis, le mode néant, c'est juste un mode pour se save. Enfin, c'est juste un petit truc pour se. Pour se save. Pendant qu'on prépare une téléportation. Ah merde, il voulait plus se TP. D'accord. Ah, il y a une recharge de pouvoir. Ouais, je viens de remarquer, je suis peut-être un peu con. Ouais, non. Ça passera pas si je rush. Faut que je trouve un endroit. Parce que mon pouvoir se recharge pas assez vite. Du coup, je ne peux pas. Alors, paf. Paf. Voilà. Là-bas, il y a de la pierre. On va aller dessus. Je pense que je peux l'atteindre facilement. Où y a-t-il de la pierre? Que je puisse me mettre en sécurité. Bon bah voilà, j'ai fini. Une bonne chose de faite. Bon, ma vie là. Explosion! Bam! Ah, j'adore les petites explosions comme ça, c'est stylé. Franchement, ils ont bien réussi leur DLC là. Depuis la fin de The Second Dreams, ils ont installé le Tenno. Désolé. Ils ont installé le Tenno dans l'histoire et tout, ce qui fait que t'es plus juste le Warframe. T'as tout le Tenno. Ah, d'accord. Souvenez de pourquoi les hurlements se sont tus. Est-ce qu'on part sur le juste milieu? Donc être neutre. Le soleil et tout le bordel. Ou est-ce que on part dans le dark, quoi? Ah. Dommage qu'on puisse pas la recommencer plusieurs fois, parce que sinon j'aurais fait où je suis full dark et où je suis. Mais bon, je vais me mettre en lumière pour l'instant. Parce que je pense que les reines n'attendent que ça, que tu sois corrompu. Bon, après on verra ça. Si on peut. Ah, un nouveau pouvoir, yes. Si on peut recommencer. Je recommencerai volontiers cette partie. Pouvoir retrouver. Transférence. Ah, attendez. Il s'est passé un truc, j'ai pas tout compris. La transférence. Utiliser l'explosion vivant pour étourdir la gueule d'or. Donc eux, quoi.
Ah, mais j'ai plus de. J'ai plus d'énergie. Bon. Avant de foncer dans le tas et de l'étourdir comme un connard. Viser la gueule étourdie. Ah, d'accord. Peut-être me le dire, non? Allez, viens, 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 viens. Oups. Problème. Bon. On va attendre qu'il s'éloigne un petit peu et on va le refaire. La transférence. Ah, c'est magique. Oh là là, dis donc ce qu'ils ont fait à ce jeu. Magique. Si je me mets dans la terre, est-ce qu'il peut m'avoir? Pourquoi il m'attaque? Arrêtez! Je suis gentil, moi. Je pense qu'il faut les tuer. Mais bon, 2v1, c'est pas toujours évident. J'en ai tué un, apparemment. Voilà. Plus j'en tue, plus il y en arrive. Bon, on va rush. Bon, bah, on rushera tout à l'heure. Parce que plus j'en tue, plus il y en arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et pourquoi il nous tue en fait? On n'a rien fait. Ah putain, je dois encore étourdir ce connard. Bah, il est où? Ah, il est là-bas. Eh oh! Bam, bam, bam. Voilà, transférence. Donc comme je vous ai dit, la transférence, bon, je me suis peut-être gouré de mots hein, tout à l'heure, mais... En gros, c'est la transférence qui permet à notre Tenno de... Putain, et les autres connards là qui viennent direct m'agresser, dégage un peu là. Voilà, laisse-moi tranquille, meurs. Il fait pas chier le monde. Comme je vous ai dit, je me suis peut-être trompé de mot, mais la transférence qui permet de contrôler le Tenno et autres objets à distance. Mais putain, par contre, le mec, permettez que le rec bug 30 secondes. Bon voilà, alors du coup je lui ai dit que j'étais en vidéo et qu'il devait fermer sa gueule. Non je déconne, je lui ai pas dit ça mais voilà quoi, quand même. Un peu de respect. Il y en a qui travaillent. Bon bah voilà, visiblement j'ai lâché le connard et je suis parti. Bon je pense que du coup pour la vidéo, s'il y a une cinématique juste après, on va la faire et après on s'arrêtera là, hein. J'en tournerai une deuxième derrière en essayant de régler le problème de son. Ouais, puis non, on va s'arrêter là. Donc, salut. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Tu fais tout ce que tu veux et même à t'abonner si ça t'a plu. Mais de tout là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Coro Soldier. Au revoir.